Bienvenue dans ce nouveau vlog dans le parc national des Arches près de Moab en Utah. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard. Et donc aujourd'hui on t'embarque avec nous découvrir les plus belles arches de ce parc et même la plus grande arche naturelle au monde. Allez, c'est parti! Bon les amis, on vient de faire une course contre la montre et regardez le spectacle. Lever de soleil, magnifique. Poursuit cette magnifique journée au sein du parc des Arches pour aller voir l'arche la plus grande du monde. Elle mesure plus de 88 x 89 mètres et encore une fois, c'est une rando qui permet d'y accéder assez facilement cette fois-ci. Il n'y a pas trop de dénivelé et comme d'habitude dans les parcs nationaux, en fait, on peut accéder un peu partout en voiture. On se gare au parking et puis après, on choisit les randos en fonction de sa forme. Allez, on y va. Et nous voici devant la plus grande arche naturelle au monde. Oui, on n'a pas peur de superlatifs aux États-Unis. La voici. Ouah, ici, 89 mètres de part en part. C'est juste magnifique. Un vrai prodige de Dame Nature, tout en finesse. Et puis, voilà, c'est quand même assez fragile, hein, parce que dans les années 90, il y a quelques blocs de pierre qui sont tombés. Du coup, on ne peut plus y accéder directement en dessous. Mais franchement, c'est vraiment de toute beauté. Décidément, hein, les arches ça s'arrête pas. Là on est à St. June Arch. Ouais, puis on voulait vous dire aussi que ce parc a été en fait le décor de plusieurs films, dont Thelma et Louise ou encore Indiana Jones et la dernière croisade. Ouais, c'est clair que là, à chaque virage, on a l'impression d'être dans le décor d'un film. C'est hallucinant. On commence à avoir les jambes un peu lourdes au bout de 8 heures de randonnée dans ce parc. Mais franchement, les paysages comme ça, ça donne des ailes. Donc c'est parti pour une nouvelle randonnée. Là, c'est le Windows Trail, la randonnée des fenêtres. Regardez derrière moi, deux fenêtres, celle du nord, celle du sud. Des fenêtres ouvertes sur le monde, ou plutôt le ciel, là. Bon, là, on se situe sous quelques milliers de tonnes de roches. Ouais, on est sous une arche, l'une des deux windows, hein, l'une des deux fenêtres. Bon, on fait confiance à Dame Nature. Hein. Ouais, vaut mieux, hein. A priori, elle est là depuis quelques dizaines de milliers d'années, donc ça devrait le faire. Et on attend le coucher de soleil. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce vlog au cœur du parc national des Arches, vraiment un parc splendide. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus. Tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram, en passant par Twitter et bien sûr YouTube. Et pour retrouver nos récits et nos conseils, eh bien c'est sur le blog Voyage comme d'habitude, onedayonetravel.com. Et puis c'est pas la fin de nos aventures ici aux States, hein, ni même la fin de nos aventures à Moab en Utah. Il y a encore d'autres parcs et d'autres splendeurs à découvrir. Donc rendez-vous très vite dans le prochain vlog. Allez, ciao.